Rebonsoir. Donc aujourd'hui, situation critique en Guinée. Donc nous avons fait une émission spéciale. On s'excuse pour le plateau. C'est dimanche. On n'a pas eu le temps d'aller récupérer toutes les affaires. Mais nous sommes en tous les cas en présent avec des personnes qui tiennent à la Guinée, qui communiquent sur l'Afrique. Donc ce soir, nous recevons Walter Torres. Bonsoir Walter. Comment pouvons-nous te présenter? Bonsoir Amine. Comment ça va? Merci de cette possibilité qui est. Que votre chaîne me donne. Je suis membre actif de l'Internationale libérale africaine et donc je suis à l'espère à ce titre-là de la problématique dans les pays africains en général. J'étais membre fonctionnaire à la Commission européenne il y a quelques années et j'ai eu la possibilité de parcourir des pays où donc j'espère en mission d'observation électorale. Alors, Walter, aujourd'hui, donc, une élection s'est tenue, une double élection? Oui, en effet, aujourd'hui, avec l'obstination du président de la République de Guinée, donc Alpha Condé, il a décidé d'organiser des élections législatives et un référendum. Le référendum qui a comme but simplement de rester au pouvoir pour endiguer un troisième mandat. Donc, chose qui est tout à fait anticonstitutionnel, puisque la constitution de la Guinée prévoit uniquement que deux mandats, chose qui ça a été déjà fait, donc il a déjà rempli, mais évidemment, pour des circonstances de sa folie et, également de son état d'âme qui est tout à fait néfaste pour la population du pays, il va encore continuer au pouvoir. Mais il faut quand même savoir que la Guinée aujourd'hui, elle est dans une situation non seulement politique, mais économique désastreuse. Alors, on a entendu des morts? Effectivement, rien que la journée d'aujourd'hui, on a comptabilisé déjà 11 morts. Entre ces morts-là, il y a bien évidemment des femmes et des adolescents et des adultes. C'est des morts que la plupart ont été faits par les autorités du pays, donc par la police, qui est sortie vraiment pour tirer directement toute la population avec des balles réelles. Je dis bien avec des balles réelles. Walter, aujourd'hui la Commission européenne, que peut-elle faire et que devons-nous faire? Je dirais plus que la communauté européenne, l'Union européenne, c'est la communauté internationale, mais bien entendu, l'Union européenne est très importante parce que la présence dans la plupart de ces pays, elle est quand même respectée et respectable. Aujourd'hui, ce que je demanderai à tous les membres de l'Union européenne, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, c'est d'avoir une résolution très forte et également démonter la démission de cet dictateur qui s'installe aujourd'hui dans le pays. Je parle d'un dictateur parce que c'était vraiment le comportement que ce monsieur aujourd'hui a vis-à-vis de son pays et de la communauté internationale qui s'oppose. Parce qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, l'OCDE, l'Union africaine, l'Internationale libérale avec tous les membres de notre groupe politique, mais également Nations Unies, ils n'ont pas appuyé vraiment non plus la France. La position que ce monsieur Alpha Condé veut vraiment changer la constitution. Donc, nous, on demande que finalement, on demande le retrait du pouvoir de ce monsieur qui est complètement néfaste pour la démocratie, non seulement du pays, mais de toute l'Afrique. Alors, c'est incroyable. Nous, il a fallu 20 années pour changer de président. Combien d'années Alpha Condé? Alpha Condé, en fait, il est venu en 2010, donc ça fait déjà 10 ans que lui, il est déjà au pouvoir, mais avant ça, on était vraiment 50 ans de dictature. On pensait qu'on avait fait les pas pour venir vers la démocratie, mais finalement, on se rend bien compte qu'on tombait dans une autre dictature avec cachet, avec une image de la démocratie. Lui, il était à un moment donné un symbole de quelqu'un qui voulait vraiment faire un changement, mais il a tout de suite montrer ça sans les faces. Vraiment la responsabilité. Merci Walter. On se dit donc demain un nouveau point pour la Guinée pour savoir quelles sont les suites
Demain, c'est lundi, c'est le premier jour de semaine. Quelles sont les suites à, je vais dire, accomplir pour aider notre pays ami, la Guinée? Ok, merci Amine, et merci de nous donner la possibilité de montrer la vraie face du président Alpha Condé face à une situation de corruption, parce qu'il faut dire aussi que le système que lui il a essayé de monter aujourd'hui, c'est absolument irréprochable, c'est réprochable à 100%, puisque aujourd'hui, non seulement il y a ces problématiques-là dans le pays, avec la pauvreté, la misère, l'armée qui se trouve dans la rue, mais il y a également tous les la problématique que nous, on connaît du coronavirus. Merci, voilà, donc on parle de 1,5 million d'électeurs, on va dire, fictifs, et oui, d'un pays qui, au bord des problèmes du coronavirus, s'entête à essayer d'aller vers les élections, c'est ça? Exactement, c'est complètement incroyable qu'un type comme ça puisse continuer vraiment à gouverner un pays qui l'a complètement dans la misère. Merci beaucoup, donc rendez-vous demain pour un nouveau point.